Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'appareil Light in Derm. J'ai eu la chance de le recevoir gratuitement et d'être en collaboration avec la marque. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo plutôt présentation unboxing. J'ai très hâte de découvrir donc, le colis que j'ai reçu. Et dans une deuxième partie de cette vidéo, je vais le crash tester avec vous pour la première utilisation. Donc, le Light in Derm, je le connais depuis un certain temps, de vue, on va dire, depuis 2-3 ans. Je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, puisque en effet, à l'époque, il y avait une grande campagne, notamment avec des influenceurs qui en parlaient. Cette technologie m'avait toujours intéressée, je la suivais un peu de loin, et j'avais jamais eu la chance de collaborer avec eux. Et donc, là, ça tombe très bien, puisque maintenant, depuis 3 ans, je me suis beaucoup intéressée sur la question, notamment sur tout ce qui est beauty device, à savoir les LED et compagnie, les micro-courants. Et donc, cette technologie-là me parle un peu plus aujourd'hui et je vais vous dire pourquoi et surtout vous dire que ça sera un complément de ce que j'utilise déjà. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je m'appelle Eve, j'ai 44 ans et je suis passionnée de skincare depuis des années et j'ai toute une panoplie de sérums, d'actifs et compagnie. J'ai la chance de recevoir pas mal de produits de la part des marques et également j'ai des beauty devices que j'utilise au quotidien. Voilà. Alors, c'est parti pour le Light in Derm. Le Light in Derm, c'est quoi? Je vous mettrai sa photo juste ici et après on va le déballer ensemble. En fait, c'est un appareil qui a été fondé par une Française, Géraldine Déco. En fait, Géraldine Déco, la pauvre, a eu un cancer de la peau suite à une surexposition au soleil. Et en fait, lors de sa guérison, elle a rencontré plusieurs dermatologues et notamment, elle s'est rendue compte que la lumière LED était bien utilisée pour tout ce qui était cicatrisation. Je vous raconte grosso modo les grandes lignes. Et donc là, elle s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire parce que, en gros, chez nous, on ne peut pas utiliser ces technologies-là. Et donc, depuis 10 ans, il y a eu 10 ans de recherche. Ça fait 7 ans que le produit est sorti. Mais constamment, en fait, la technologie essaye d'être toujours encore meilleure. Et il y a eu au total 47 brevets d'innovation. Je lis en même temps mes petites notes que j'ai prises, puisque je trouve ça hyper intéressant de comprendre le contexte et de comprendre exactement les tenants aboutissants de ce produit et si il va vous convenir ou pas, s'il est susceptible de vous intéresser. En fait, pour rappel, la peau, c'est comme le foie, c'est le seul organe avec le foie qui est capable de se régénérer tout seul. Sauf que, avec l'âge, avec les agressions extérieures, tout ce qui est pollution, UV, machin et compagnie, cette capacité d'autoréparation que la peau notamment a ainsi que le foie va réduire. Et la peau va perdre sa fermeté et son éclat et les premières rides vont apparaître. Voilà, ça on le sait déjà. Donc la seule action en science cosmétique, de la cosmétique classique n'est pas suffisante pour lutter contre les signes de l'âge. Donc c'est pas juste en utilisant des produits qu'on va arriver à vaincre les signes de l'âge. Il y a certains actifs qui sont super, mais en effet c'est bien d'avoir, on va dire, plusieurs techniques et plusieurs outils qui sont aujourd'hui à notre disposition de façon très facile et accessible, pour pouvoir essayer donc de régénérer sa peau pour paraître un peu, enfin pour qu'elle garde un peu son éclat, qu'elle soit moins ridée, qu'il y ait moins de ridules. Ça c'est super intéressant, moi personnellement ça m'intéresse. Comme Carole de Nuance, elle dirait le mieux vieillir, le bien vieillir, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc pour relancer efficacement ces mécanismes d'auto-régénération, il faut mobiliser l'ensemble des couches cutanées, y compris les plus profondes, pour avoir une action globale. Donc la solution de Light in Derm, c'est l'association unique de 3 technologies pour une triple stimulation de la peau. Alors, stimulation énergétique avec les lumières régénérantes, une stimulation biologique avec des sérums photoactifs, c'est-à-dire qui vont s'activer grâce à la lumière, et également une stimulation mécanique avec des massages tissulaires. Résultat, l'efficacité du coup est multipliée par 3 par rapport à un sérum classique, puisque là, vous avez compris, on va combiner le sérum avec la lumière, le photoactif du coup du sérum et également un massage. Vous allez me dire, mais le photoactif, on connaît, puisqu'on connaît les masques LED et tu en utilises. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous rappelle notamment que j'utilise depuis le mois prochain, ça fera 1 an, le masque LED essentiel Nuance.
Donc, il y a des LED rouges et infrarouges à l'intérieur qui nous permettent notamment, qui m'ont permis notamment, et je vous invite à regarder ma playlist nuances si vous ne me connaissez pas ou que vous n'avez pas dans ma barre de description. En fait, ça va vous permettre, les LED donc rouges et infrarouges, d'avoir justement une production de collagène qui permet d'avoir une peau un peu plus raffermie, plus ferme, moins de rides, moins de ridules, des pores de la peau qui vont être resserrés et également un teint plus glowy, moins de taches, moins de rougeur. C'est ça en fait à quoi va servir, enfin c'est ce à quoi va servir le masque LED. Moi je suis de nuance, vous avez toujours moins 15% avec Citadine 15 dessus. Voilà, je le teste, je l'essaye tous les jours, un jour sur deux, pardon, en story sur Instagram, vous me voyez avec. J'ai aussi le casque, enfin bon bref, moi nuance, je suis convaincue. L'essayer, c'est l'adopter, en plus il est hyper pratique et tout. Donc sur les masques LED nuance, je vais rebondir du coup sur la lumière LED et sur cette technologie du lighting d'air, parce que comme ça on pourra faire un comparatif. Un masque LED nuance à l'intérieur, que ce soit le pro ou l'essentiel comme j'ai moi, il y a deux masques chez nuance, moi j'ai que l'essentiel, c'est le premier, premier. Il y a au total 99 LED rouges avec une longueur d'onde de 633 nanomètres et 99 LED infrarouges avec une longueur d'onde de 830 nanomètres. Donc quand j'ai vu que le Lighting Derm avait également des lumières rouges, alors il a plusieurs LED à l'intérieur, dont la lumière rouge. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai demandé tout de suite, mais qu'en est-il de la longueur d'onde? Donc j'ai dit, nuance, lumière rouge 633, infrarouge 830. Eh bien, pour le Lighting Derm, la lumière rouge, elle est de 660 nanomètres. Donc elle est un petit peu plus forte que celle de nuance de 27 nanomètres. Et par contre, la lumière infrarouge, elle est entre 780 et 940, là où nuance est à 830. Donc, on est quand même pas mal, j'ai envie de vous dire. On est assez similaire. Donc, le masque LED, c'est pour l'entièreté du visage. Et vous l'avez compris, le Lighting Derm, ça va être pour des zones ciblées du visage. Et la différence aussi, c'est que le masque LED, on le pose pendant 10 minutes, on est tranquille. Là, le Lighting Derm va leur faire un massage particulier. Et vous l'avez compris, il y a un sérum à l'intérieur pour l'utiliser. Ce sérum, c'est pas n'importe lequel, ce sont des capsules qu'on va mettre à l'intérieur. Je vais vous les montrer juste après quand je vais faire le déballage. Voilà, donc là déjà vous avez compris la technologie grosso modo du programme. Dans toutes les capsules, tous les sérums, il y a 5 programmes différents. Dans tous les sérums proposés, il y a forcément du niacinamide. Le niacinamide, c'est parfait pour tout ce qui est éclat et compagnie. Donc il y aura ça comme composant dans tous les programmes. Donc le Lighting Derm, c'est un appareil et c'est également 5 programmes différents. Je vais vous les lister et comme ça vous pourrez voir peut-être lequel peut être intéressant pour vous. Il y a le premier programme, c'est le Repair, donc réparation. C'est un soin jeunesse agissant sur les couches profondes de la peau, vous avez compris. Et c'est uniquement 3 minutes par jour pour n'importe quel programme. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, c'est réglé. Donc il va falloir dédier 3 minutes de son temps tous les jours, pendant toute la semaine, pour faire passer cet appareil. Il y a une technique spécifique de massage, donc pour en fait, ça va avoir un tuto pour le passer. Qui est donc faite par une facialiste, Chantal Lehmann, que j'ai découvert notamment sur le site de Lighting Derm. C'est une facialiste, donc elle vous dit les gestes à faire, donc une vidéo très courte, et comme ça on peut se servir de son Lighting Derm de façon très intuitive. Donc ce premier programme Repair, les résultats, ça va être une peau plus lisse, plus éclatante et plus rebondie. Voilà. Deuxième programme, c'est celui que moi j'ai choisi, c'est le programme Lift, celui-ci. Il est liftant, redensifiant. Résultat, moins de rides, moins de ridules. Effet liftant, peau plus ferme. Et on peut l'utiliser sur le visage, le bas du visage et le cou. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bas du visage. Notamment tout ce qui est bajou et compagnie. Et le cou également, si c'est possible, c'est cool. J'ai vu là, pour l'utilisation, je me suis un peu renseignée avant. Je pourrais faire un soir sur deux, visage un soir, cou le lendemain, visage un soir, cou le lendemain. Voilà. Le troisième programme, on y vient. Il s'agit du brightening, donc éclaircissant, tout ce qui est anti-tache, anti-teint interne, un teint plus homogène, une peau plus lisse et un teint beaucoup plus lumineux. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Le quatrième programme, c'est le redness, donc anti-rougeur. Donc, ça va aider à réduire les sensations qu'on peut avoir de picotement, d'inconfort de la peau, également avoir une peau moins réactive et fragile et également moins de rougeur. Et enfin, le dernier programme, ça va être le Purity, donc pureté, moins d'imperfections, une peau purifiée, une peau plus lisse. Voilà.
les capsules. Donc, comme je vous l'ai dit, ben, en fait, vous allez avoir à chaque fois un pack avec des capsules. Il y en a 4 par mois. Et voilà. Et donc, une capsule, ça fait une semaine. Donc, 7 jours. Le petit appareil, pour la petite histoire, a été designé par un Français, par Mathieu Lehaneur. Il est donc fait pour être simple et intuitif et il est disponible en 2 couleurs, en mauve et en jaune. Ça sera la surprise, je ne sais pas quelle couleur j'ai reçue, mais ça je m'en fiche, c'est pas grave. Moi l'appareil, c'est la technologie qui m'intéresse. Les capsules vont être recyclables. Elles sont le sérum est vegan, c'est sans silicone, c'est sans parfum, c'est adapté à tout type de peau, notamment sensible. Déjà là, on est aussi pas mal du tout. Donc Light in Derm, c'est français, comme je vous l'ai dit, ça investit dans la recherche, dans les études. Pour chaque programme, il respecte à chaque fois 3 étapes, in vitro, ex vivo et in vivo. Donc là, vraiment, on a vraiment des vrais résultats, notamment cliniques. Bon, et ça, c'est plutôt chouette. Maintenant, on va passer au déballage. J'ai très hâte de voir à quoi ça ressemble, puisque je n'ai jamais vu cet appareil en vrai. Donc, ça m'intéresse. Toutes les informations seront en barre d'infos concernant, notamment, j'ai un lien d'affiliation. C'est-à-dire que si vous passez par mon lien, ben, je reçois une petite commission. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas. Et je vais voir avec la marque si je peux avoir un code promo, auquel cas je vous l'incrémenterai soit directement dans la vidéo, soit en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Voilà, quand il y a des, comme ça, des mises à jour, des prix, des trucs, je mets tout de suite dedans. Juste, j'ai oublié de vous dire un truc. Donc, vous savez, j'utilise le masque LED, mais j'utilise également le Foreo. J'ai le BER 1 et le BER 2, la technologie donc de micro-courant, qui sert notamment aussi à relancer la production de collagène et aussi à redessiner l'ovale du visage et compagnie. Je vous avoue que je les ai un petit peu laissés de côté, bien qu'en plus c'est chouette, je peux les utiliser et en même temps ça va beaucoup plus vite. Et en plus, eux aussi, lui, ils avaient un petit sérum dédié qui est le sérum, le 2.0, qui est chargé en électrolytes pour encore plus d'efficacité et pour multiplier les effets des micro-courants. J'ai un peu mis de côté puisque je suis un petit peu une feignasse et c'est un peu dommage parce que cette technologie marche très bien. Je vais vraiment ressortir mes petits bers, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à tout ce qui est massage et compagnie. Je les ai mis de côté, mais ça sera un très bon complément de tout ce que j'ai déjà. La facilité, c'est vraiment le masque LED. Vous le mettez dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez pendant ce temps et ça, j'avoue que c'est très très pratique. Là, il faut vraiment avoir le temps de le passer. Mais bon, très bon produit aussi. Je vous ai fait une vidéo dédiée à son sujet. Je vous remettrai en barre d'infos. Voilà, comme ça, vous avez tout. Alors, maintenant, on va parler de l'unboxing de Light in Derm. Donc, par exemple, si vous commandez, il y a plusieurs produits, il y a plusieurs choses qui sont proposées à la vente sur le site de la marque, notamment ben, les capsules, notamment l'appareil, et il y a un pack également avec l'appareil et des capsules, et vous pouvez choisir donc l'appareil avec 2 mois de capsules. Vous pouvez tester un programme et un deuxième programme ou prendre qu'un seul programme et vous recevrez du coup 2 mois de capsules du même programme ou 1 mois chacun. Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Donc, quand vous le recevez, donc c'est un petit colis qui rentre très facilement dans la boîte aux lettres. Donc, Light in Derm, voilà. Donc, Régénérative Skin Care. On a une petite carte de remerciement. Je trouve le design très très joli, très épuré, très classe. Alors, donc là, j'ai les capsules. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai choisi le programme Lift pour vraiment redessiner l'ovale du visage. Ben, comme son nom l'indique, effet lifting retenseur. C'est ça, moi, qui m'intéresse aujourd'hui. C'est une de mes problématiques. Pour information, les capsules, 1 mois de capsule, ça coûte 80 euros. Vous allez me dire, ouais, enfin, je pense que certaines personnes vont dire, c'est un peu cher. Ça a été un peu ma réticence aussi avant d'accepter cette collaboration. Je me suis dit, par exemple, le Foreo BER, on peut l'utiliser avec n'importe quel sérum humectant, même un spray d'eau thermale, ça marche très bien. Là, par contre, cet appareil nécessite d'utiliser les capsules de la marque. Je me suis dit, est-ce que ça peut être un frein? J'ai consulté mes abonnés, notamment en story, pour leur demander ce qu'ils en pensaient, s'ils connaissaient cet appareil. J'ai eu plein de retours qui m'ont dit, mais F, c'est génial, non, non, vas-y, fonce, c'est trop bien. En gros, on s'en fout de payer 80 euros le pack d'un mois de capsules. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est super bien, super résultat. Que ce soit pour le programme anti-rougeur, j'ai également eu pour le programme Repair, donc un peu plus notamment d'hydratation en profondeur, de moins de ridules, moins de rides et compagnie. Apparemment, ça marche super bien. Le programme Lift aussi, notamment pour tout ce qui est contour de l'œil et tout. Apparemment, c'est super pour les pas de doigts et tout. Donc, je me suis dit, bon, allez, banco, j'y vais. 80 euros, on peut se dire, c'est pas donné, mais en même temps, moi j'ai envie de vous dire, tous les sérums, enfin moi perso que j'utilise, matin, soir, puisque ça on peut l'utiliser donc que le soir, mais
80 euros, c'est pas délirant pour un sérum qu'on va utiliser un mois en fait. Vous voyez, finalement, plus la technologie du truc, en plus si ça décuple, si ça multiplie par 3 les effets, ça va. Enfin, après, mais c'est quand même un certain budget. Mais voilà, donc c'est tout à fait possible de faire ça. Et également, pour celles qui me suivent pas avec Goût Déco aujourd'hui, je vais de temps en temps dans une clinique bien-être, qui n'est pas du tout une clinique de chirurgie esthétique, c'est bien-être. J'ai fait quelques soins, notamment un soin anticellulite. Je suis pas du tout convaincue, ça n'a pas marché, mais par exemple, la séance est à 200 euros. Vous voyez, c'est un sacré budget. Ils sont full, donc je me dis, il y a quand même des personnes qui ont les moyens de payer ce type de prestation. Également, pour visage, je me suis fait enlever des vaisseaux vasculaires, donc sanguin éclaté. Une séance coûte 150 euros. Ils proposent aussi tout ce qui est des trucs à base de lait et compagnie. Les séances, c'est pas donné, donc je me dis, c'est pas délirant, 80 euros des capsules. Voilà, c'est comme ça que j'ai réfléchi et que j'ai dit, ok, je pars sur cette collaboration et je pense que ça va en intéresser plus d'une. Voilà, et plus d'un. Alors, les petites capsules, elles sont ici. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, elles sont recyclables, ça c'est chouette. D'accord. Donc, ça ressemble à ça. Donc, une capsule, ça fait donc une semaine. Et donc, là, c'est une cure de un mois. Donc, tous les soirs, donc pendant 3 minutes, je vais utiliser ce produit. J'ai très hâte de tester. Hein. Ça, c'est trop bien. Donc, moi, j'ai reçu des packs découvertes avec donc 2 packs de capsules, donc 2 mois. Ensuite, l'appareil est ici. Donc, c'est super bien emballé. Trop bien emballé. Alors, je vous remets en garde par contre. Attention, il y en a certains qui vont me dire oui, c'est un certain budget. Oui, certes, n'achetez pas n'importe quoi en matière de LED et compagnie. Je vous l'ai déjà dit aussi pour le masque LED. Bien entendu qu'il y a moins cher. Bien entendu que vous allez trouver des choses sur les sites chinois. Moi, la première, je commande hein, sur tout ce qui est AliExpress. J'ai déjà commandé plein de trucs. Par contre, je ne m'aventurerai pas à commander ça. Des barrettes à cheveux, il n'y a pas de souci. Trucs comme ça, non. On sait pas. Enfin, celui-là, oui, mais les trucs qu'on peut trouver sur les sites chinois. On ne sait pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, on ne connaît pas la longueur d'onde, on ne sait pas dans quelle mesure ça a été fait, on ne sait pas si c'est des vrais LED, si c'est des bonnes LED, si c'est des bonnes rouges, infrarouges. Voilà, faites très attention parce que là, vous touchez à votre visage. Là, on a 10 ans de recherche, 7 ans d'activité, 47 brevets déposés. Enfin bon, bref, on a quelque chose quand même qui tient la route et on a surtout une expérience des études. Des études en matière de LED. Donc, ça, c'est pas du tout négligeable. Et voilà, c'est pour ça. Moi, je fais toujours la promotion de technologies françaises. Après, vous allez dire, mais c'est pas fabriqué en France. Peut-être, j'en sais rien. Je sais pas si c'est fabriqué en France. Mais quoi qu'il en soit, ça a été validé et certifié français. Ça répond aux normes françaises. Il y a un cahier des charges français. C'est commandé par une boîte française. Voilà. Alors. Oh, c'est sympa. Ah, ben il est rose. Je vous avais dit rose, enfin mauve ou jaune. Ah, ben d'accord. Je pensais que c'était plus grand que ça, vous voyez. Donc là, j'ai l'appareil, comme ça. Donc là, par-dessus, va se mettre la capsule. D'accord. C'est très joli. C'est vrai qu'on dirait. Je sais pas, c'est en effet très design. C'est beau. On l'a bien en main, par contre. Je vais voir quand j'utilise si en effet c'est pratique à. Non, puisque je suis, ça va être comme ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas du tout comment ça marche d'ailleurs. Je sais jamais. Je ne me suis pas spoilée pour vraiment le tester et voir si c'est facile d'utilisation. Si j'y arrive, vous y arrivez aussi. Donc voilà l'appareil. Donc je vois qu'il se recharge avec un petit port USB, sûrement. Donc là, on met les produits. Il y a un petit bouton derrière. OK. Et là, il y a un écran, donc je ne sais pas trop ce qui va se passer dessus, mais bon, on verra bien. Tac, 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 qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a plusieurs lumières, ce que j'ai oublié de vous dire aussi. En fait, ce n'est pas vous qui allez choisir la lumière, si vous voulez de la rouge et compagnie. Je vois qu'il y a aussi la lumière bleue, la lumière verte, la lumière jaune. Donc, il y a rouge orangé et rouge et infrarouge. Pour le programme MIF, c'est rouge et infrarouge. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Les autres lumières, je vous ai envie de vous dire, ça ne m'intéresse pas. Pas besoin, moi, je veux que du rouge et de l'infrarouge. Mais il y en a plusieurs. Et en fait, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est quand vous mettez la capsule dans l'appareil, automatiquement, il va choisir la bonne lumière LED et le bon type de massage adapté. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le pack?
Donc on va voir du coup comment bien démarrer. Donc là on nous explique comment ça fonctionne. Il y a les coordonnées donc, de Lightinderm, l'adresse mail, il y a un téléphone, il y a les contacts sur les réseaux sociaux. C'est super, ils sont apparemment très accessibles. Ensuite, on a là un petit livret, qu'est-ce que c'est? Une garantie, a priori, oui, une garantie. Ok, bon, un guide d'utilisation, ça peut toujours servir, je vais le laisser dehors. C'est écrit également en anglais. Voilà, et enfin on a encore, je vois, sûrement un petit pochon et, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est? Attendez que je casse pas tout en fait. Hop là, d'accord. Donc là, j'ai un support apparemment pour le poser. Ah, ça c'est pratique, ok. J'ai un petit pochon, un petit pochon comme ça pour le mettre dedans, très bien, assez épais, donc pour protéger c'est pratique. Ah d'accord, ça c'est un petit pochon pour à recycler avec le plastique, à recycler avec le verre, d'accord. Donc là on a un petit pochon peut-être pour mettre les capsules, je pense. On nous dit comment recycler du coup les capsules et le petit bouchon. Et également, donc du coup, ça qui doit être le machin pour le tenir. C'est ça? Oui, bah écoutez, c'est élégant, sympa. Bon, moi ça, le genre de truc qui tombe en deux, avec moi, je ne suis pas du tout... moi, j'ai tout qui tombe, donc je pense que je mettrai plutôt là-dedans, dans son petit pochon, dans mon petit tiroir à Beauty Device. Et ça ira très très bien. Ouais, donc c'est fait pour aller dedans. C'est parfait, impeccable. Donc ça c'est très bien aussi, c'est bien pensé. Hop, tac. Et je vois ici une dernière petite boîte. Et après on a fini avec l'unboxing. On a donc le port USB. Très bien. Oh, qui est très long en plus. Avec du coup la prise. Et ici. Ok, bon bah très bien. Ça, c'est très simple. Donc, je pense que dans un premier temps, il convient de le recharger. Et comme ça, après, je pourrai le tester dès ma sortie de la douche. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir combiner à la fois mon masque LED, ce nouvel appareil-là. J'ai également le masque multifonction cou et décolleté. Donc, c'est aussi un bon complément pour le cou, puisque je rappelle que je vais aussi pouvoir l'utiliser dans le cou. Et voilà. Bon, ben, c'est très bien. Parfait. Je suis ravie. Bon, ben allez, ben plus que la troisième partie de la vidéo avec du coup le test. Allez, je vous retrouve juste après. Donc, je sors de la douche, je suis en pyjama. Je me suis fait le double nettoyage, donc démaquillage plus nettoyage du visage. Donc, je n'ai rien sur la peau. On va partir donc sur le Lightinderm et sa première utilisation. Donc, on est sur la troisième partie de cette vidéo. Alors, je l'ai rechargé entre temps, donc je le prends, il est là. Je regarde le mode d'emploi en même temps. On nous dit insérer la capsule sélectionnée bien droite dans l'appareil. Donc la capsule, elle est ici. Je l'insère. Oh, d'accord, bien droite dans l'appareil. Clic, ok, c'est fait. Ensuite, appuyez 2 secondes sur le bouton de marche. 1, 2. Oh, jusqu'à l'allumage de l'appareil. Donc là, il a capté que c'était lift, ça va être rouge. Ok. Gna 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 gna. D'accord. Il affiche le programme sélectionné et le nombre de doses restantes. D'accord. Donc là, on a les doses. Donc on voit qu'il y en a 7 puisque c'est pour 7 jours. Dévissez le bouchon de la capsule. Voilà. Hop. Appuyez ensuite très brièvement sur le bouton marche pour lancer la séance ou la mettre en pause. Commencez l'application en suivant les indications des gestuels ci-contre et l'appareil s'éteindra automatiquement 5 secondes après la fin de la séance. Ok, revissez le bouchon, placez l'appareil sur le son. D'accord. Alors pour la séance, comme je vous l'ai dit, moi c'est le programme Lift et il y a Chantal Lehmann qui est facialiste qui a imaginé
Donc un massage. Donc là, je vais faire le massage parce que j'aime utiliser cet appareil pour avoir la gestuelle, sachant que je peux alterner un jour sur deux le visage et le deuxième jour le cou. Et donc il y a deux vidéos comme ça sur YouTube, c'est gratuit. Donc on va voir comment ça marche. Attendez, est-ce que j'ai pas fait de bêtises pour lancer la séance? Ok. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette hydratante? Il s'utilise quotidiennement pendant 3 minutes sur une peau propre et sèche. D'accord. Insérez la capsule de sérum dans l'appareil. Ok, ça on sait. Appuyez ensuite 2 secondes sur le bouton marche jusqu'à ce qu'il s'allume. Dévissez le bouchon de la capsule oui, et madame. Appuyez de nouveau très brièvement sur le bouton marche pour démarrer votre séance. D'accord. Lancez votre soin et commencez par la première zone, celle de la patte doigt. Partez du cantus externe de l'œil et travaillez horizontalement jusqu'à la ligne des cheveux en faisant des mouvements circulaires avec une pression moyenne à intense. D'accord, oui, ça fait comme une boule en fait. D'accord, c'est pas du tout... Au signal sonore, descendez sur la seconde zone, celle de la pommette. Ah, la pommette, pardon. Pour la densifier, travaillez à l'horizontale le long de l'os de la pommette en réalisant des mouvements circulaires. D'accord. Nous allons ensuite passer à la troisième zone, le sillon nasogénien. À l'aide de votre main, étirez les tissus pour travailler cette zone en profondeur et réaliser des mouvements circulaires. Et je sens le sérum du coup qui coule en même temps. Enfin, qui pour la quatrième zone, le rhizorius, partez du point externe des lèvres et travaillez à l'horizontale pour masser ce muscle en profondeur. Passez ensuite à la cinquième zone, le masséter. Un des muscles clés dans le maintien de l'ovale. Débutez du haut de la mâchoire, puis remontez le long du muscle en réalisant des mouvements circulaires. D'accord. Et pour finir, nous allons travailler l'ovale du visage et plus particulièrement le platysma. Pour ce faire, démarrez de l'extérieur de la mâchoire et réalisez des mouvements circulaires jusqu'au menton. C'est fini. Voilà, il s'est arrêté. Donc là, l'idée, c'est de le revisser. Franchement, ouais, bah, c'était cool. J'ai passé un bon moment. Hop. Il n'y a pas de sensation de chaud ou quoi que ce soit. Hop, je le remets sur son petit socle. C'est bon. Donc le sérum, j'en ai encore un petit peu sur le visage. Pour un premier crash test, franchement c'est hyper facile et hyper intuitif, très facile d'utilisation ce truc, très cool franchement. Ouais, c'était pas du tout compliqué, j'espère que c'est efficace, on verra ça à long terme. Je vais faire du coup la cure de 2 mois, je prendrai des photos avant, après, comme ça on verra les résultats, notamment sur tout ce qui est sillon nasogénien, l'ovale du visage. Donc là on va vraiment se concentrer sur tout ce qui est fermeté de la peau, ovale du visage, si on a nasogénien, en effet, là, le contour de l'œil.
Bah écoutez, on est pas mal du tout. Pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. On va voir donc le résultat dans 2 mois, voir ce que ça a donné. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez peut-être des questions, je pourrais questionner la marque. Mon lien est en barre d'infos. Si j'ai un code promo entre-temps, je vous le mets juste ici. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet appareil-là. Si vous l'avez, dites-moi quel programme vous faites. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, ça fait 1 semaine que j'utilise le Light In Derm. Maintenant, il faut que je change la capsule. Pour rappel, elle est valable pour 7 jours, 7 utilisations. Donc, il suffit d'appuyer ici et de tirer. Ah bah oui, bah ça marche tout seul. Voilà, donc la capsule, elle est totalement vide. Je vais changer et en mettre une nouvelle. Hop, mon truc, il est là. Donc, moi, c'est le programme Elite. J'en prends une autre et voilà, bah écoutez, c'est reparti pour un tour. Et voilà!